Allez, on est reparti. On est reparti. Alors, accès refusé, aidez-moi. Parfait. C'est qui Jar Jar Binks? C'est moi. C'est toi Jar Jar? Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce que t'as pris? Bonjour, je n'arrive pas à accéder à un fichier et voilà ce que ça m'affiche. Oh, il y a même un document. Oh. Intéressant. Très intéressant. Alors, le c'est John Duff. C'est qui John Duff? C'est toi John Duff? C'est moi. Putain, t'es tombé sur le pire. Ah mais toi t'as créé une panne impossible à résoudre. Oui mais là c'est sur ses pieds. Là c'est sur ses pieds. Bon. Alors il est où le H? Il est là. Allez le H, on va voir ce que tu fais. C'est bon, on peut téléphoner? Alors, comment qu'il faut que je fasse? J'appuie sur le bouton. Attends, est-ce que j'ai un... Non, mais je l'ai viré le truc. C'est pas possible d'être idiot à ce point-là. Ah ouais, ah ouais, carrément. Ok. N'importe quoi. Sur celle-là, je ferai pas de mongol. Après, tu peux. T'as bien cliqué sur le filtre tous. Et t'as cliqué sur rechercher. Je sais pas. On verra après. D'abord, on a un dépannage à faire. T'es pire que moi. Oui, Jar Jar Binks, technicien. Ah non, c'est l'inverse normalement. Non, c'est lui qui. C'est toi qui l'appelle. Ah, ok. C'est toi qui appelle Brigitte. Parce qu'il a fait son ticket, voilà. Oui. Autant pour il est, moi. Il est... oui, John Duff, il a fait son ticket. Oui, j'ai cru que c'est lui qui m'a appelé. C'est toi qui l'appelle en disant bon, bah. Ok, voilà. Ok. C'est lui qui doit décrocher. Hein. Allô? Oui, bonjour, Jar Jar Binks, technicien maintenance. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, si vous avez eu mon ticket, c'est ça? Oui, exact. Mais j'ai un problème, quoi. Je vous ai envoyé une petite capture d'écran, là. D'accord. Et ce problème, il s'affiche quand vous ouvrez le bloc-notes, si je comprends bien? Non, c'est un fichier texte. D'accord. Ok. C'est un fichier texte? Oui. D'accord. Et c'est juste sur ce fichier? Juste sur celui-ci. D'accord. Ok, et ça, ce fichier, vous essayez de l'ouvrir que depuis aujourd'hui? Non, j'ai déjà travaillé dessus, mais aujourd'hui, je ne peux pas y accéder. D'accord. Spécialement aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler dessus? Exceptionnellement aujourd'hui, je ne peux pas y accéder. D'accord. Ok. Alors, je vous laisse la musique en attente. Ah, direct la musique d'attente. Ouais, j'ai juste... D'accord, pardon. Pas très réactif, ces musiciens. Alors, patientez un peu, monsieur, je vais essayer de trouver la solution. Ah, il y a la musique. Ah, il m'a dit lance la musique, je lance la musique, moi. Il parle, j'entends la musique en fond. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Oui, c'est de nouveau Jar Jar Binks. Donc, ce que vous allez faire, vous prenez la souris. Ouais. Vous cliquez, vous faites un clic droit sur le bouton démarrer. Le bouton démarrer, c'est le bouton avec les quatre fenêtres. Ok. Vous voyez? Oui. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer, donc clic gauche, hein, sur gestion de l'ordinateur. Ok. Ok, c'est bon? Oui. Vous êtes sur un menu, le menu gestion de l'ordinateur avec plusieurs. Comment dire? Plusieurs titres. Gestion de l'ordinateur, outils système, planificateur de tâches. C'est ça, c'est ça. C'est bien ça? Oui. Vous allez faire un clic gauche, pardon. Sur utilisateur et groupes locaux. Oui. Ok. Vous allez dans utilisateur. Oui. Ok. Comment vous appelez? Le nom de votre session, comment s'appelle-t-elle? Je suis Kyukai. Pardon? Kyukai. Bon.
C'est pas grave. Pas de jugement au téléphone. Il y a pas de quoi, là. Pas de jugement. Vous allez, vous cliquez sur Kyokai. Ouais. D'accord. Donc clic gauche sur Kyokai. Ouais. Et vous allez cliquer sur membre 2. Membre 2, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui s'affiche sur membre 2 ? Administrateur. Administrateur. Oui. Et vous pouvez pas vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier. Non. Vous avez bien ma capture d'écran devant vous ? Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Musique d'attente. Allô ? Oui, patientez, j'essaie de trouver la solution. Remets-moi ton générique. Il va falloir qu'on s'arrête. Ok, c'est bon. Ah, là. Monsieur ? Oui. Retournez dans utilisateur et groupe locaux, s'il vous plaît. J'y suis toujours. Ouais. Allez dans groupe. Oui. Ouais. Allez dans administrateur. Ouais. Et qu'est-ce qui s'affiche dans membre après membre ? Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Les membres du groupe administrateur. Oui, d'accord, mais on est bien d'accord, vous êtes sur la fenêtre propriété d'administrateur ? Non. Vous êtes bien dans utilisateur ? Oui. Et groupe locaux ? Non, écrit juste groupe. Voilà, vous êtes dans groupe ? Oui. Et ensuite, cliquez sur administrateur. Oui. Ok. Là, vous avez, normalement, vous avez des membres. Oui. En bas. Oui. Quels sont ces membres ? Administrateur et moi, Kyukai. D'accord. Pourtant, vous avez un accès illimité à l'ordinateur. Illimité, non. Je suis limité à ça. Donc, vous êtes limité à ça. Donc, c'est pas vraiment... Il va falloir qu'on arrête. Écoutez, faites monter à votre N plus 1 là. Non, mais j'ai dit des pannes faciles. T'es allé dans le reg edit parce... Non, il allait t'allais modifier les ACL. Oui. T'as juste bloqué. On a même pas fait cette partie de corps. On a même pas fait les ACL. T'as juste bloqué le bloc-notes, c'est ça? Arrêtez de faire des trucs comme ça, mais faites des pannes faciles. C'est incroyable. Mais voilà, on venait de le faire juste avant de faire les trucs trop durs. Avant de penser à faire des pannes de salopards, faites des pannes faciles pour vous entraîner. On verra après. Allez, c'est bon, laisse tomber là. Voilà, non mais t'as essayé, t'as fait ce que je vous ai appris, t'allais vérifier est-ce qu'il est dans le groupe administrateur. Mais après, c'est d'autres choses que je vous ai pas montré du tout. C'est les permissions, les ACL, on l'a pas fait. On va pas inventer un dépanneur. En plus, dépanner les ACL. Je veux dire que pour les dépanner, faut bien maîtriser déjà comment ça fonctionne. Là, non, là. Là, c'est un non négatif. Désolé, tu peux pas. C'est ce ticket, on va l'abandonner. C'est abandon de ticket là. Abandon de ticket ? Bah abandon de ticket, c'est en bah voilà, c'est bah tu balances au N2, sauf que le N2 c'est moi. Bah pas super. Mais John Duff, il peut pas travailler aujourd'hui. Ah ben il peut pas travailler, il a arrêté de faire des conneries. Donc non, désolé. C'est un non négatif. C'est un non négatif. Faites pas des trucs trop compliqués. Putain, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Y'a encore un problème de calculatrice là ? Ah oui, c'est Gigi. Ah oui, c'est moi, j'ai fait la même connerie. Tu l'avais supprimé ? Ça sert à rien qu'on l'a fait autre chose. Non, mais ça, c'est la mienne, mais il en a fait une autre, lui. Oui, mais c'est pas exactement le même problème, alors. Non. Pourquoi j'ai pas les nouveaux tissus ? Ça se fait qu'ils font les mêmes. Si on est sur comment faire des plans, c'est ça. Pour aviser. Oui, donc là, celui-là, c'est bon. Accès refusé. Donc il y a un autre de calculatrice. Problème de souris. Il y a deux problèmes de souris aussi. Ah, on va tenter le problème de souris. Il y a trois, je pense. Non, mais c'est. Il y a beaucoup de problèmes de souris. C'est alors, on va prendre le premier. Alors,
attribué à Han Solo. Alors, c'est qui Han Solo ? C'est moi. Très bien. Alors, bonjour. Mon clic droit souris ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut le remplacer. Autre. J'ai besoin rapide. Oula ! Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec qui a recompilé le noyau et modifié les valeurs de registre. Oh là là, Han Solo. Donc, c'est qui l'a fait ? Gymnastique ? C'est moi. C'est toi ? Très bien. Allez. C'est bon, vous êtes prêts ? Monsieur Solo, vous êtes prêts ? Ça sonne rien, ça. Oui, alors ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous avez un problème de souris, paraît-il. Exactement, oui. C'est le clic droit qui ne fonctionnerait pas ? Ben, en fait, je ne comprends pas, ça clique et il se passe des choses. Quand vous cliquez à gauche, ça fonctionne ? Mais je clique, il se passe rien à gauche. À gauche, si j'ai des petites fenêtres qui s'affichent. Ok, à gauche ça s'affiche et à droite vous avez rien. À droite j'ai rien du coup. Ok. Ok. Vous allez aller. Lorsque vous regardez sur le bas de votre écran, vous avez un petit pictogramme avec 4 fenêtres. Est-ce que vous pouvez cliquer. Tac. Gauche dessus s'il vous plaît. Ça y est. Ok. Peut-être. Donc, plutôt vous allez rentrer dedans. Vous voyez un menu ? J'ai un menu qui s'est affiché là, oui. Vous pouvez accéder aux paramètres ? Oui, il y a paramètres. Paramètres, vous cliquez gauche dessus, pareil. Non, pardon, droite du coup. T'as pas le droit de regarder son écran. Hein. Non, un peu plus haut là, montez comme tout. Ah le malin hein. C'est un Jedi. Bah oui, bah, c'est la force. Donc, est-ce que vous avez un onglet qui vous propose Bluetooth et appareil ? Non, j'ai pas ça. Vous n'êtes pas dans les appareils accueil, système, tout ça ? Dans paramètres. Alors j'ai système, oui. Vous avez système ? Oui. Tous ces appareils, non ? Vous l'avez pas ? On regarde un petit peu plus bas, peut-être ? Un petit peu plus bas. J'ai mise à jour et sécurité ? Trop bas, peut-être. Sur tous les onglets, vous ne voyez pas demain, tous ces appareils. Alors moi j'ai système, périphérique, téléphone, réseau internet, personnalisation, application, compte, heure et date, jeu, option d'agronomie, recherche, confidentialité, mise à jour de sécurité. Souris, vous l'avez ? Dans la main. Sur l'écran, vous l'avez pas ? Dans périphérique, je vois activé. Ouais, souris, imprimante souris, oui. Ok, bah rentre à l'intérieur, c'est ça. En cliquant gauche, du coup. Bouton. En cliquant sur le bouton à gauche. Droit, excusez-moi. Hop. Ça y est, là, j'y suis. T'es pas censé avoir ton clic droit qui fonctionne plus, toi. Ok. Et il clique comme il lui dit de cliquer. Hein ? Il fait ce qu'il lui dit de faire. Là, vous êtes sur souris ? Non, je suis sur une fenêtre qui s'est ouverte, appareil Bluetooth et autres. Je vois écrit périphérique, il y a imprimante scanner, il y a souris. Souris ? Ok, cliquez droit dessus. C'est bon, j'ai cliqué droit. Ok. Bouton principal de la souris ? Oui. Vous le voyez ? Moi, j'ai. Alors, je ne sais pas sur quel vous êtes, mais moi, j'ai choisir le bouton principal. Choisir le bouton principal. Oui. Ok. Et ça vous affiche gauche ou droite ? Droite. Ça vous affiche droite ? Oui. Ok. Vous cliquez du coup droit dessus. Oui. Et là vous avez gauche ou droite, non ? Exactement. Ok. Et donc du coup vous cliquez sur gauche avec le droit. Gauche avec le droit. C'est là où il y a le pouce. Le pouce à gauche. Vous avez cliqué dessus ? Oui, c'est bon. Et donc quand vous ressortez, ça s'affiche gauche ? Oui. Ok. Allez, vous déplacez juste votre souris sur l'écran dans un espace libre et du coup vous cliquez droit. Je vais dans un espace libre et je clique droit. Ouais. Oui.
Du coup, vous avez vos fonctions qui sont remises? Oui, j'ai l'affichage trié, actualisé, c'est bon. C'est revenu au bon endroit, oui. Ok. Tout fonctionne pour vous? Écoutez, je teste. C'est bon, tout fonctionne pour moi, oui. Ok. Donc c'est tout pour moi. Merci, merci beaucoup pour des phalages efficaces. C'est bon? C'est fini? Alors, pourquoi t'as galéré autant? Moi? Oui, bah oui, toi. C'est toi qui as galéré. Oui, bah oui. Pourquoi c'était pas pareil? Lui, il devait être sur. On n'était pas sur le même logiciel. Comment tu peux le savoir? Parce qu'il n'avait pas le même affichage. Oui? Est-ce que tu lui as demandé? Non. T'aurais dû lui demander pour savoir sur quel système. On l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit. Quand c'est un truc bizarre, vous devez demander, mais vous êtes sur quel Windows? Bien sûr qu'il va répondre, je sais pas. Mmh. Il faut lui faire les manips. Parce qu'en plus, normalement, je crois que vous avez deux VM. Vous avez une Windows 10 et une Windows 11. Si tu lui avais fait faire la démarche, t'aurais vu qu'il est sur Windows 10. C'est pour ça que ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Il s'est pas présenté de la même façon, ça s'appelle pas tout à fait de la même chose. Mais t'as quand même réussi à lui faire trouver et d'aller au bon endroit. Mais tu vois, c'était compliqué. Et donc, il faut vraiment demander c'est quelle version de Windows. Si vous voulez refaire les mêmes manips, il faut avoir les mêmes environnements. Parce que là, il faut lui donner des instructions précises, c'était un peu flou. Heureusement que, bon, il arrive, il était gentil, hein. Il était gentil. Faut pas dire, ah bah vous rentrez dedans. Non. Brigitte, elle rentre pas dedans, non. Non, on dit pas ça. Voilà, vous devez cliquer. C'est pareil. C'était tout à l'heure, entre les doubles clics et les simples clics, il faut faire attention. Il faut bien indiquer les bonnes instructions. Comme par exemple, ça, j'ai oublié de rebondir sur ce que tu as fait, mais tu lui disais, vous avez administrateur, il faut double-cliquer sur le groupe administrateur. Mmh. Et toi, tu as dit cliquer. Ah, oui. Et lui, il a double-cliqué. Mais parce qu'il sait ce, que, il sait ce qu'il fait. C'est un environnement qu'il connaît. Normalement, Brigitte, si tu la guides, elle fait clic. Ah, ça s'ouvre pas? Non, ça s'ouvre pas. Faut faire un double clic pour que ça s'ouvre. Donc ça, c'est souvent l'erreur qu'on fait. Et un petit résumé à la fin, ça aurait été bien? Pour lui expliquer? Ah d'accord. Eh oui, c'était quoi le problème? Donc ces boutons de souris, ils étaient inversés. Le bouton principal, c'était à droite et pas à gauche. Voilà, ça c'est une petite panne, très bien, c'est réparable. Et c'est quelque chose qui peut arriver à Brigitte. Faire changer ce genre de choses, je ne vais pas dire que c'est le quotidien, mais ça peut arriver tout à fait. Hein. C'est pas impossible qu'elle arrive à faire ça, vu que ça en plus, bah, un utilisateur, il a le droit de le faire. Hein. Il a le droit d'inverser ses boutons de souris s'il veut. Hein. C'est classique, c'est les gauchers. C'est ce que font les gauchers. Les gauchers, ils mettent la souris de l'autre côté et ils inversent les boutons de souris. Le bouton principal, il est à droite au lieu d'être à gauche. C'est fait pour ça, en tout cas. Ouais. Ça existe pour que les gauchers les gouchers. Pour que les gauchers puissent le faire. Bon, bah très bien. T'es gentil, cette panne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Alors... Mini VM. Bonjour. Ma VM ne s'affiche plus à la bonne taille. Oh ! Qui c'est qui a récupéré ça ? C'est C3PO. 3PO, c'est qui ? Ah, bah c'est le 3. Le 3, c'est le L. Hein ? On va voir ça. Alors, c'est qui ? Mozzarella ? Qui a un problème de taille. Apparemment, Maud a un problème de taille. Prêt, Yamine? Oui. Ok, attends. Je vais me mettre sur ton écran. Alors, il est là? Non, il est à gauche. Et c'est parti. Allô? Allô, bonjour, Yamine, Outline. Bonjour, Yamine. Je vous appelle, j'ai un petit souci avec ma VM. Moi qui vous appelle. Je crois que c'est lui qui t'appelle. Oui. Ok, donc les utilisateurs, ils déposent des tickets et la hotline les rappelle pour résoudre leurs problèmes. Donc c'est la hotline qui appelle.
Donc Lamine, s'il te plaît, poursuis. Oui, donc j'ai vu votre ticket là par rapport à l'affichage de votre VM. C'est encore le cas ? Ouais, c'est encore le cas. Elle s'affiche. C'est un affichage qui est. Sur uniquement une VM ou bien toutes vos VM ? Non, c'est une VM en fait. Une seule VM ? Ouais. Ouais. Donc vous êtes sur. Donc là, est-ce que vous êtes sur le gestionnaire Hyper-V ? Je peux y aller. Eh bien, vous allez y aller s'il vous plaît. C'est bon ? C'est bon. Vous allez ouvrir la VM qui a un problème. D'accord. Ça y est, c'est bon. Ok. Deux petites secondes. Vous allez ouvrir une VM qui n'a pas ce problème. Vous m'avez dit que c'était que sur une VM qu'il y avait ce problème. Oui. Est-ce que vous voyez en haut là les onglets fichiers, actions, médias, affichage ? Ouais, je vois. Ouais. Il y a un fichier aide. D'accord. Vous voyez ? Le but, ça va être de. Lorsque vous allez ouvrir la VM qui a un problème de taille, mettre votre souris au niveau du E de aide et de cliquer pour que ça vous affiche la barre d'outils affichage et vous aurez le niveau de zoom. Je pense que le problème vient de là. Alors attendez, il faut que je clique sur le bouton aide. Vous êtes toujours sur la barre des tâches avec le fichier action média. Ouais, affichage. Je vois ça, ouais. Donc là j'ai aide, j'ai cliqué dessus, j'ai rubrique d'aide ou à propos de connexion. Ah mais vous pouvez cliquer sur aide et affichage là ? Je peux, ouais. Ah bah cliquez sur affichage directement. À côté alors du coup. Ouais. Votre VM elle est démarrée ? Ouais, elle est démarrée, ouais. Bon bah cliquez sur affichage, niveau de zoom. D'accord. Il y a combien au niveau de zoom là ? Là je suis à 50. Vous êtes à 50 et il y a un problème de taille. Bah j'y vois rien quoi. Mettez à 100%. Ouais, je vais essayer là. Ah oui, ça va mieux, ouais. C'est vrai ? C'est bon ? Ouais, c'est bon, ouais. Parfait. Bon, bah nickel. Vous avez besoin d'autre chose ou... Non, ça va aller, merci beaucoup. Bon, ouais, tout est parfait. Et bon courage. Mais toi, là, t'avais dû faire la manip que Arthur, il a dû faire la dernière fois, genre, il devait cliquer partout, là. Ouais. Mais t'es malade. Et Brigitte, elle va jamais savoir faire ça. Je pensais qu'il a été la même panne. Pas du tout. Bah si. Je l'ai, mais il a pas réduit à 25%. Il a réduit à 50%. Il a été gentil, ouais. C'est une gentille panne. Toi, t'avais réduit à 25. 25, ouais, c'était la merde. Et donc 25, on voyait plus qu'un seul menu, en fait, on voyait plus c'est le menu d'affichage. Ouais. Bon, les manips sur les VM, Brigitte, c'est pas son quotidien. Hein. Non, mais là, elle avait une urgence, quelqu'un lui a fait. Pensez à faire le résumé. Votre problème, c'était... Vous aviez un affichage trop réduit sur votre VM. La solution, c'était modifier le zoom de l'affichage. Donc on avait passé le zoom qui était à 50%, on l'a passé à 100%. Pensez à faire le résumé à la fin. Ok. C'est important, ça t'aide parce que c'est ça que tu mets dans le ticket. C'est quand tu rentres. Là on doit les remplir du coup les tickets. Bah bien sûr. Okay. Tous ceux qui ont fait les dépannages, vous devez remplir les tickets, il va falloir que je les lise. Hein. C'est mon premier moi là, non ? Ouais. Ah bah, j'en sais rien, c'est toi qui l'as fait. Hein. Mais bon pour l'instant j'avais des soucis parce que tous les tickets, on pouvait pas les résoudre. Des problèmes impossibles à résoudre, donc ouais. C'est pas très intéressant le remplissage d'un ticket de dire bah on peut rien faire. Mini VM, c'était rigolo. Mini VM, je suis inquiet pour. Ah non, mais personne l'a pris. Alors, Calioren, c'était quoi problème calculatrice, où ça s'était fait après. Jar Jar Binks, accès refusé, c'est impossible. Celui-là, personne l'a pris. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Leia Organa, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai plus d'internet. Ah. J'ai plus d'internet, c'est normal, t'es sur une VM. Alors déjà, ça commence bien, on se tutoie. Ouais, gros, ça farte. Ouais, vas-y, t'es sur la VM, là. Qu'est-ce que tu fais? On va grailler, là. Kebab à midi, là. Mais sérieux, qui c'est? Leia Organa. Bah, c'est moi. Et donc toi, tu tutoies. Mais non, c'est pas Léa qui a répondu. Mais c'était pas Léa. Non, ça c'est moi. Mais attribué à Leia Organa. Il y a 3 PO qui m'a... Ah mais c'est 3 PO qui a court-circuité le truc. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte là? Les gars, c'est attribué le ticket, il y a 3 PO qui est venu mettre la... Tout le monde. Les 3 PO, nos respects, nos respects quoi. 3 PO, le 3. Allez, je me mêle des affaires des autres. J'ai tenté de panne à distance pour faire gagner du temps à un collègue. Quoi?
je tentais le dépannage à distance. Oui. Ah là 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 là. Donc, Léa. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à dépanner Judas? C'est qui Judas? C'est moi. C'est lui, c'est Olivier? Ah, c'est Olivier Judas. Va falloir que tu parles fort, hein. T'es loin, il est loin. Ça marche. Il va falloir que la conversation soit forte. Il est où le G? Il est là le G. C'est bon, t'as pris connaissance du ticket? Oui. C'est bon? Allez. Et bonjour Leia Organa, société Star Wars. Non mais c'est l'inverse. C'est toi qui l'appelles. Ah pardon. Non, c'est moi qui ai créé. Oui, t'as créé le ticket. Mais c'est lui qui t'appelle. Donc c'est toi qui décroche. C'est toi qui dois décrocher. Allô, oui. Au moins. Avant qu'il se présente après. Oui, allô? Oui, bonjour, Leia Organa, société Rebelle. Alors, vous m'avez laissé un ticket d'un problème de connexion Internet, d'après ce que j'ai compris. Oh, oui, je ne peux plus aller sur le site de l'entreprise. D'accord. Alors, déjà... pas de connexion. Est-ce que vous pouvez aller sur l'icône en bas à droite avec la petite planète? Vous avez peut-être la connexion et les paramètres de la connexion Internet. Je sais pas si vous voyez. Ouais, oui, c'est connecté. C'est connecté. Et donc, essayez d'aller sur Explorer, par exemple. Sur Explorer, oui. Ouvrir une page web. Je peux pas en fait, j'ai plus l'icône. Vous avez pas l'icône? Et en bas Mais normalement je clique en bas, mais là je peux pas. Vous avez pas de barre des tâches en bas? C'est avec un petit dossier, une barre de recherche. Oui, oui. Ça, vous l'avez? Oui, oui. Et vous n'avez pas d'icône Internet dessus? Voilà. Est-ce que vous pouvez aller dans Démarrer, enfin dans la recherche, excusez-moi, en bas à gauche, et taper Explorer? Vous avez Internet Explorer qui s'affiche en haut? Oui. Oui, vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche? Oui. Installer Explorer, Internet Explorer 11. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ça me dit installer Internet Explorer 11. Installer, d'accord, ok. Mais, on y va alors. On installe. Je ne veux pas, non, c'est... Je clique sur OK, mais il ne se passe rien. D'accord, ok. Vous avez normalement de pouvoir cliquer sur soit utiliser les paramètres de sécurité, soit ne pas utiliser les paramètres recommandés. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, je l'ai. Ouais, vous pouvez cliquer sur utiliser les paramètres de sécurité, s'il vous plaît. Ça va? Ok. Et vous validez, vous appuyez sur OK, en bas. Ok. Parfait. Et là, est-ce que vous avez un message qui s'affiche? Oui, c'est bon. C'est-à-dire, c'est bon? Le site s'affiche. Ah, le site s'affiche. Mm-hmm. D'accord, ok. Donc, vous pouvez faire une recherche, peut-être, pour voir si ça fonctionne. Ah, ça fonctionne très bien. Regarde sur les historiques. Ah oui, ça marche. Donc on a bien résolu votre problème de connexion à Internet. Vous pouvez vous connecter maintenant. Par contre, ça m'affiche plus le site de l'entreprise. Merci, bonne journée, au revoir. Merci.
C'est vrai, il y a le SLA, alors du coup... C'est la fin du SLA, ça. Il ne restait que 5 minutes. Il a un sablier sur le bureau. Mais... Excusez-moi, j'ai dit quelque chose. Je disais, ça n'affiche plus le site de l'entreprise. Quand vous faites votre recherche pour le site, qu'est-ce qu'il vous affiche comme message d'erreur ? Le navigateur, s'il vous plaît. Non, mais quand je lançais le navigateur, ça affiche automatiquement le site. D'accord, ok. Et donc là, sur cette page-là, vous ne pouvez pas vous connecter ? Si, si, je me connecte, mais ça n'affiche plus le site de l'intranet de l'entreprise. Comme ça, l'afficher quand je cliquais sur l'icône. Pardon ? Ça affichait le site extranet de l'entreprise quand oui. Je lançais la fenêtre. D'accord. Ok, je vais vous demander un petit moment d'attente, s'il vous plaît. Je vais consulter un joker. Je vais bien la petite musique d'attente. Normalement, il a l'extranet, et quand il appuie sur Internet, il arrive sur la page de l'extranet, de l'entreprise. Du coup, il faut aller regarder dans les paramètres. Dans le truc du navigateur. Alors, il y a plus longtemps, alors déjà, on part, déjà. Je voudrais préciser juste un truc. On part du principe, c'est la VM, mais on part du principe que j'ai accès à Internet. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, sinon, tu as un message d'erreur, tu n'as déjà pas de réseau. Déjà en bas à droite, quand il t'a dit d'aller sur le logo réseau, tu l'as pas. Non, il non, non, mais tu joues le jeu comme il faut. Hein. Toi, t'as fait. Problème, non, fait. Non, non, il est très bien ton problème. Le problème, c'est que t'as pas fait ce que je vous ai appris à faire. Il y a plusieurs choses que t'as pas fait. Oui. Les questions. Depuis quand vous avez ce problème-là ? Est-ce que quelqu'un est intervenu ? Vous êtes d'autres à avoir ce souci ? Aucune question. Deuxièmement, j'ai dit qu'il faut faire refaire la panne. Le ticket, c'était « j'ai plus Internet ». T'as foncé direct. Bon, vous avez l'icône Internet en bas à droite, vous avez le réseau. Je croyais que t'allais partir sur ipconfig, on fait des pings, machin. Tu ne lui as pas fait refaire la panne. Parce que la panne, c'est quoi ? J'ai plus le raccourci du navigateur. Point. C'est ça, sa panne. Il a plus le raccourci du navigateur dans sa barre des tâches. Et toi, t'es parti sur... Internet Explorer. Est-ce que tout le monde peut lever la main et vous pouvez m'indiquer un chiffre avec la main, combien de navigateurs vous connaissez de différents ? Levez la main et marquez-moi un chiffre. Combien vous en connaissez des différents ? 4, 3, 4, 5, 5, 5. Lève ta main. 3. Il utilise lequel ? Aucune idée. J'ai pas posé la question. D'accord. À partir du moment où il t'a dit je peux pas lancer mon navigateur, j'ai pas le raccourci en bas, c'est la panne. La panne, c'est bah, il a pas le raccourci du navigateur. Des navigateurs potentiellement, il y en a 5, 6, 7, il y en a plein des différents. Je connais des gens, ils utilisent Firefox. Et le problème, c'est que t'es parti sur Internet Explorer. Ça peut être ça, potentiellement. C'est peut-être ça, hein, son navigateur. C'est peut-être Internet Explorer. Mais dans un cas comme celui-ci, où potentiellement il y en a plusieurs, il faut poser des questions. Quand il s'est lancé, il faut lui demander, est-ce que c'est le bon icône ? Vous le reconnaissez, le bleu en bas ? C'était ça que vous aviez avant ? Est-ce que vous vous souveniez peut-être du nom de votre navigateur ? Est-ce que vous pouvez me donner l'icône ? À quoi il ressemble ? Tu vois ? Il faut... poser des questions. Et il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas penser, c'est croire qu'on connaît la bonne solution. Parce que tu vois, t'es parti direct en disant, il doit y avoir un problème réseau, il n'y a pas internet. On va directement vérifier. Non, il faut refaire la panne. Et en admettant que même, je vais aller plus loin, c'était bien Internet Explorer. Toi, t'as été un peu plus filou en disant, bah, j'ai plus mon site de mon entreprise. Ce qui est normal, c'est pas le bon navigateur. Mais en imaginant que ce soit le bon, oui, c'était le bon, est-ce que tu as résolu son problème ? Tu lui as relancé Internet Explorer, ça a lancé Internet Explorer. C'était le bon navigateur, super. Est-ce que tu penses avoir résolu son problème ?
Et oui. Parce que s'il te dit c'est bon, j'ai le site de mon entreprise, tu lui dis c'est ciao. S'il ferme le navigateur, qu'est-ce qui se passe? Bah, à nouveau, il a disparu. Parce que tu ne l'as pas réépinglé à la barre des tâches. C'est pour ça qu'il faut dire à l'utilisateur, refaites-le. Expliquez-moi ce que vous faites, dites-moi sur quoi vous cliquez. On a besoin d'avoir des précisions. Et là, c'est un très bon exemple, parce que c'est un exemple lié à des logiciels. Donc il faut les mêmes logiciels. Il faut les mêmes versions des logiciels. Il faut demander. Il faut vérifier qu'on est exactement dans le même cas de figure. You see? Ça marche? En tout cas, c'était une très bonne panne. J'avais vraiment peur que tu fasses vraiment une panne réseau et qu'il n'y ait pas Internet. Mais bon, quand tu m'as dit « c'est bon, ça n'arrive pas », très bien, je t'ai fait confiance. Et ça a très bien fonctionné. Donc c'est vraiment typiquement ce genre de panne. Ne croyez pas que il utilise Internet Explorer. Ne croyez pas que il utilise Firefox, le naze. Posez la question. C'est quel système d'exploitation? Je vois que depuis qu'on fait les pannes, vous ne posez toujours pas la question. Vous ne demandez toujours pas si c'est Windows 10 ou Windows 11. Il va falloir commencer à vous y mettre. Hein. Si je vous donne des petits trucs, des petites procédures, essayez de les appliquer. Ça va vous aider. Ça marche? Donc voilà, là tu vois, il manquait l'épinglage à la barre des tâches. Et en plus, c'était pas le bon navigateur. Donc là, tu avais double panne. Double panne pas résolue. Elle était très bien cette panne. J'ai plus Internet. Et c'est exactement ce que dit Brigitte. Elle dit pas « j'ai perdu le raccourci de mon navigateur », elle vous dit « j'ai plus Internet ». Ne foncez pas, c'est une panne réseau, etc. Et encore, on n'a pas encore Internet sur nos machines. Quand on va avoir Internet sur les VM, ce sera pire. Je sais bien que vous allez faire des saloperies. Yes! Donc tu pourras me remplir ce petit ticket, s'il te plaît? Allez. Avec les solutions du problème. Alors, un mini-VM est passé en résolu. On va voir ça. Ah, mini-VM est résolu. Ça va, ça va. Problème d'affichage, le zoom était à 50%. 100%, tout est rentré dans l'ordre. Ouais, ça va. Ça va. Je vais pas rentrer en détail de affichage, je sais pas si c'est pas... Voilà, encore une fois, ça dépend à qui ça s'adresse. Oui, bah c'est toi le chef. Voilà, moi je suis le chef, je sais que c'était un problème de VM, ma VM, donc c'est un problème de machine virtuelle. Il y a des petits manques, mais ça, bon, ça vient avec l'expérience, ce serait... Bon, je voudrais savoir si c'est sur Hyper-V, si c'est sur VMware, etc. Mais même ça, c'est le zoom, je sais que dans les VM, on peut faire un zoom. Donc je me doute que voilà, l'affichage était à 50%, on l'a remis à 100%, je sais déjà où c'est. Pas besoin de dire, je suis allé dans le menu affichage, surtout là, c'est pas nécessaire de dire « J'ai dit à l'utilisateur de double-cliquer sur la VM, de l'ouvrir, d'aller dans le menu affichage, vérifier que… » Voilà, non, c'est bon, je sais ce qu'il a fait, c'est bon, c'est ça. On est bien. On est bien. C'est bien, monsieur 3PO. Ouais, c'est pas mal. Chier le chat. Allez, clos. Je clôture le ticket. C'est bon. C'est clôturé. Alors, au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur les... Alors, pas une téléphone. C'est là que c'est refusé. Les IA, c'est fait. R2D2. Tiens. Qu'est-ce que c'est... Ah, bah, objet disparu, il est dérésolu, là. Aussi. Très bien, bon, on va faire 3PO. Ma souris ne clique plus, c'était celui-là qu'on a fait ou c'est un autre? C'est un autre, c'est le mien celui-là. Ah, ma souris ne clique plus. Attribué à ces 3PO. Ah mais 3PO, il avait déjà pris là, 3PO. Il a tout pris le gourmand là. Non. On va l'enlever 3PO. Dégage. Plus un, il a pour ça. Ça va virer 3PO, ça va pas. Alors, bah BB8, tiens. Mais non, j'avais déjà fait.
T'en as déjà fait un? Ouais, j'en ai un déjà. Ah bon? Bon bah Boba Fett alors. Il est où Fett, Boba Fett? Il était là. Il y a deux Fett. J'en ai un aussi. Dessous. Comment ça t'appelle? Il est où Boba Fett? Il est là juste dessous. Ah putain, parce que je l'ai... Mais t'as dépanné personne, toi. Mais j'en ai un, déjà, que j'ai pris. Enfin, j'ai pris un ticket, déjà. T'as déjà dépanné quelqu'un? Non, ah, je me suis attribué un ticket. Ah, tu t'es déjà attribué un ticket, pardon. Autant pour moi. Qui s'est pas attribué de ticket? Moi. Toi, tu t'es pas attribué de ticket? Non. Bah, tu vas pas dépanner ton voisin. Non. Non, non, c'est tout. Tous les autres, ils se sont attribués des tickets. C'est bon, ils sont sérieux. Ça demande beaucoup, moi, je suis pas attribué. Ouais, mais tu vas pas t'auto-dépanner toi-même. Bon, on va voir après. Alors. Est-ce qu'il a été fait celui-là? Le outil disparu. Alors, on l'a pas fait celui-là. J'ai plus mes petits boutons dans la barre du haut dans WordPad. Aïe, 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 aïe. Pas de mes amygdala. 9. 9, c'est Pierre-Louis. Allez. Parti. Et donc le demandeur c'est qui? Kylo Ren. C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Pas de problème hein. Ah, la vie c'est pas toujours facile hein. On peut m'aider? Mais bien sûr on peut t'aider. Hop, alors téléphone, faut faire un ticket. Alors. Non, ça répond pas? Non. Non, bon, ça répond pas. Bon, on peut pas faire ce ticket là. Ils veulent pas répondre. Hein. Oui, allô? Bonjour, ici Padmé de Navitech. Non, mais quand même, déjà, ça fait depuis ce matin, j'attends quand même. Hein. Sérieusement, c'est pas sérieux. Sérieusement, c'est pas sérieux. Vous avez un problème sur Word? Non, pas Word, non. Il répond pas. Je sais pas ce que c'est Word. Ça commence mal. Vous ne trouvez plus les petits boutons dans la barre du haut de WordPad? Oui, c'est ce que j'ai marqué dans mon ticket. Calmez-vous, Brigitte. Vous pouvez me dire de quelle couleur est votre barre tout en bas de la fenêtre Windows? Est-ce qu'elle est blanche ou est-ce qu'elle est noire? Elle est noire. Elle est noire, merci beaucoup. Est-ce que vous avez WordPad de lancer? Comment je sais si c'est lancé? Est-ce que vous avez un document ouvert avec? Est-ce que vous êtes en train de travailler dessus? Ben, je vous dis que j'ai perdu mon document. Vous avez perdu le document? Oui. Est-ce que vous vous souvenez du... Est-ce que vous l'aviez sauvegardé? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je suis partie 2 minutes de mon poste et à mon retour, il n'y avait plus rien. Ça, c'est les chats. Il y a un chat qui a marché sur le clavier. Chez Kéops, mais pas partout. Elle travaille chez Kéops. Dans la barre des pages tout en bas, sur le petit dossier jaune, vous pouvez faire un clic gauche, si vous l'avez. C'est bon. Ça vous a ouvert une fenêtre. Est-ce que dedans, vous avez le dossier document? Dossier, ça ressemble à quoi un dossier? C'est un icône avec un petit classeur jaune ouvert. Que vous avez écrit le document quelque part. Ça devrait être vers le milieu de la page. Vous devez avoir plusieurs documents avec écrit bureau, téléchargement, documents, images, musique, vidéo. Donc ce que vous dites, vous le milieu, pour moi c'est le côté droit. D'accord. Est-ce que vous voyez du coup un dossier écrit document? Oui. Est-ce que vous pouvez double-cliquer dessus? Avec quel bouton? Le clic gauche. C'est bon, c'est ouvert. Est-ce que vous avez faut le retrouver. Ouais. Je sais pas, il a peut-être glissé sous la table, regardez sous la chaise des fois. C'est juste que vous avez un nom qui vous revient dans les fichiers qui sont affichés à l'écran. Un nom, c'est-à-dire un nom.
Est-ce qu'il y a un fichier qui, dont le nom vous le reconnaissez et vous savez que c'est vous qui l'avez écrit? Non, du tout. Non, du tout. Non. Est-ce que vous avez une colonne avec dessus une date et une heure dessus? Oui. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus sur le haut de la colonne, là où il y a écrit modifier le. Je clique avec quel clique gauche dessus. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire la date et l'heure du document le plus en haut de la liste? Alors c'est le 10-10-2024 à 14h03. Et vous êtes parti manger à quelle heure? Je n'ai pas mangé. Et vous êtes parti à quelle heure? Je suis parti manger à midi et demi. Vous avez bien de la chance. Moi j'étais en train de chercher mon fichier. Petite musique d'attente. La potion de la petite musique d'attente. Alors, quel est ton problème? Ah bon? Comment ça, elle n'a pas sauvegardé? Parce qu'à un moment donné, elle a dit « Je ne l'ai pas sauvegardé, ce fichier ». Moi, c'est marrant parce que j'ai entendu le contraire. Moi, j'ai entendu, je me souviens plus où je l'ai enregistré. Ah, c'est moi qui ai halluciné? Oui, j'ai entendu, je me elle souviens a dit, pas. Ouais, moi aussi, oui. J'ai entendu qu'elle a dit, je me souviens pas. Et le problème, c'était quoi au début? Il ne trouvait plus les petits boutons en haut de Word. Pad. Il faut lire les tickets, hein. C'est WordPad. Et ça, ce problème-là, il est passé où? Quand j'ai commencé à lui faire reformuler, oui. Il m'a dit que je ne trouve plus mon fichier. Oui. Et bien sûr, Brigitte, elle connaît parfaitement la différence entre un dossier, un fichier, un programme, un icône, un raccourci. Tout ça, elle connaît tout, elle. Ouais. Ouais. Ça se fait direct ban. C'est le signe et la princesse, je crois. Non, c'est la belle et la bête. La belle et la bête. Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas présumer de la compétence de Brigitte. Parce que si ça se trouve, elle est dit, j'ai perdu mon fichier, pour elle, son fichier, c'est WordPad. C'est juste le programme qui est pas ouvert. Maintenant, je vais rebondir sur... Effectivement, elle a enregistré son fichier, elle se souvient. De toute façon, si elle ne l'a pas enregistré, fin de l'histoire, oui. On peut rien faire. Mais si elle l'a enregistré, elle ne se souvient plus où c'est. Oui. Toi, encore une fois, tu as présumé que c'est dans document qu'elle l'a enregistré. Tu as présumé ça. Bon, tu es allé voir, c'est pas là. Question, messieurs, dames, comment savoir où est-ce qu'un fichier a été enregistré la dernière fois? Oui, il faut aller dans le logiciel. Récent. Et dans le logiciel, oui, il y a toujours une catégorie. Récent. Une catégorie. Récent. S'il n'y a pas, c'est enregistré sous. Ouais. Et, ou peut-être on refait un enregistré sous, effectivement. Ouais. Mais il faut partir du logiciel. Tu la récupères? Je vais être énervé, là. Parce qu'elle était fâchée. Hein. Je sais pas. Mais par exemple... Si tu veux sur l'Excel. Monsieur, vous m'avez pas dit qu'on m'avait mis à l'attente. Je me suis retrouvée avec une musique. J'en suis vraiment désolé. Ça se fait pas ce genre de choix. Bim. Je raccroche au débat. Je viens résolu. Peut-être. Est-ce que vous pouvez ouvrir pour voir? Je ne suis pas sûre. Vous n'êtes pas sûre de pouvoir l'ouvrir? Je crois que j'ai oublié Windows. D'accord. Est-ce que vous pouvez aller dans la barre de recherche en bas de votre écran et taper WordPad dans le petit encadrement? Vous appelez quoi une barre de recherche? Là où il y a écrit « Tapez ici pour effectuer une recherche ». Non, je clique dedans.
Oui. Si je tape Wordpad, oui. Vous l'écrivez comment? W-O-R-D-P-A-D. Et après? Est-ce qu'il est apparu dans une liste en haut à gauche? Alors c'est vraiment à gauche ou comme tout à l'heure, le milieu qui était à droite? C'est en haut à gauche. Normalement, vous avez une petite case récente et dedans, il y a écrit Wordpad. C'est la gauche du milieu à droite. Je le vois effectivement en haut. Non, c'est pas en haut à gauche, c'est en haut tout court, c'est au milieu. Elle a tapé... Mais regarde, toi-même, quand oui. tu cliques sur taper ici, quand tu écris Wordpad, ça c'est à gauche. Oui. Non, c'est en haut, point. Bah pour moi, c'est à gauche de l'écran. Non, mais elle t'a demandé par rapport où elle a tapé. Elle tape un texte et oui. ça apparaît où? Au-dessus. Oui, d'accord. Bah c'est au-dessus. Oui, moi, je faisais comme tout à l'heure, t'as dit au milieu, c'était à droite. Excusez-moi, hein, reprenez, reprenez. C'est mon supérieur. C'est un vrai connard. Je suis en train de me faire défoncer. Ah non, il est pas commode. Passez-moi l'un, puis je dois dire. Est-ce que Wordpad s'est bien lancé? Je pense que oui, j'ai une page blanche devant moi. Très bien. Mais j'ai toujours pas mes outils. Est-ce que vous voyez un petit point d'interrogation à droite, en haut à droite? En haut à droite. Est-ce que vous voyez un petit point d'interrogation dans un rond bleu? Ah, là je vois le rond bleu, oui. Est-ce que juste à gauche de cette icône, vous voyez un petit chevron vers le bas? C'est quoi un chevron? C'est une flèche vers le bas. Ah. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Quel bouton? Clique gauche. Super, elles sont là. Est-ce que vous avez encore besoin de vous? Mais quelle garantie j'ai que ça ne va pas se reproduire? Alors, si jamais ça se reproduit, vous devez juste retourner sur cette petite flèche à gauche du rond bleu avec le point d'interrogation et à cliquer dessus, avec le tout gauche. Mais je vais pas m'en rappeler. A priori, si vous ne recliquez pas dessus, ça ne devrait plus disparaître. Je vais être obligé de vous rappeler. Ah, si ça disparaît, oui. Ça sera toujours où? Je ne peux pas vous le garantir. Dommage. Ça drague le téléphone. Des liens se forment. Allez, le clan. Est-ce que c'est tout pour vous? Oui, c'est tout pour moi. Très bien. Je vous souhaite une agréable journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Attention, je me lève. Et l'histoire du fichier qu'elle avait perdu, qu'elle savait pas si elle enregistrait, c'est passé où? Moi, j'ai oublié. C'est con, hein. Aussi. C'est con. Alors, il y a deux choses. Brigitte, elle a peur de se souvenir, etc. Il faut lui faire refaire. Dans un cas comme celui-ci, ah oui, il y avait le truc. Vous allez voir, Brigitte. On va recliquer dessus, ça va disparaître. Fermez tout Wordpad, on réouvre Wordpad, on reclique, ça réapparaît. Quand c'est des petits trucs comme ça, tu peux passer deux minutes. Regardez, vous recliquez, vous l'enlevez, vous recliquez, vous l'avez. Vous avez peur d'oublier, notez-le. Prenez un papier, un crayon, prenez des notes. Et sinon, c'est avec plaisir que vous pourrez refaire un ticket et nous rappeler, bien sûr. Et par contre, voilà, l'histoire du fichier perdu, est-ce que on n'a aucune confirmation que c'était simplement Wordpad qu'elle a perdu? Mais c'est pareil, créer l'attachement dans la barre des tâches, on l'a plus non plus. Elle ferme Wordpad, qu'est-ce qui se passe? Elle rappelle. Un Wordpad a encore disparu. Et c'est là où, moi, quand je lis les tickets derrière, je dis, mais il y a trois fois le même ticket pour Wordpad, qu'est-ce qui se passe là? Elle perd à chaque fois. Non, c'est toi qui lui fais pas épingler. Bah, vas-y, tout ça. Et j'espère pour toi que quand elle a dit « Je ne sais pas si j'ai enregistré mon fichier, j'ai perdu mon fichier, ou qu'il est mon fichier », son fichier, c'est simplement le raccourci de Wordpad. Oui. Ce n'est pas un vrai fichier. Oui. Parce que tout à l'heure, on a dit « Il faut aller dans récent, dans le logiciel ». Je n'y ai pas allé. Oui. Je n'y ai pas allé. Vous inquiétez pas. Vous faites des erreurs parce que ça commence. Quand vous allez faire ça en stage pendant deux semaines, c'est bon, tout sera rentré dans l'ordre. Vous aurez les réflexes, l'habitude, il n'y aura pas de problème. Hein.
Et donc je lui mets confusion fichier. Enfin, confusion client, fichier. Voilà, voilà. C'est le. Voilà. Il a confuse. Et elle a confuse, elle a confondu le raccourci de WordPad avec un fichier. Ouais. Il a confondu l'accès à Internet avec le programme, son navigateur. Voilà, ça qu'il faut mettre dans le ticket. En fait, c'est tout simplement penser que le N devait regarder derrière et qu'il faut absolument qu'il comprenne voilà. En 3 secondes. Il y en a qui mettent dans les tickets, problème résolu. Ok, super. Pourquoi t'écris ça hein? C'est pas la peine. Hein? Dans ce cas-là, tu mets ticket clos. Voilà, et hop, ça va plus vite. Il faut penser à l'avocat qui écoute. Eh oui, toujours. Et le gars qui lit derrière, et encore, on résout les problèmes pour le moment. Mais si tu dois mettre juste une information qui servira pour ton collègue qui demain va intervenir, c'est aussi ton collègue qui va lire. Il veut savoir qu'est-ce que tu as fait sur le poste de Brigitte. Qu'est-ce qui a été ajouté, modifié, remplacé, supprimé. Parce que le ticket n'est pas résolu parce qu'il y a une autre intervention. Mais il faut vraiment être précis. Pour les collègues. C'est extrêmement important. Merci Brigitte, c'était très bien. Hein? Quel clic? Quel bouton? Droite, gauche? Lequel? Droite, gauche? Clic gauche. Voilà. Elle a dû avoir les mêmes informations. Quelle droite? Ah oui, 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 il y a largement pire. Il y a largement pire. Ça, il y a des chances que vous en croisiez de la Brigitte niveau 0. Hein. Ça arrive. Hein. Mais niveau 0, qu'est-ce qu'elle fait pour un PC? Oui, c'est eh ça. Ben oui, mais ça arrive. Elle a été embauchée quand même. Ça arrive. Elle a été embauchée quand même. C'est comme ça. Il y a des gens, effectivement, qui débutent c'est en informatique, patron, même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Moi, tu travailles sur WordPad, tu me dis les paiements WordPad et je me pose des questions. Eh oui, bah, pose-toi des questions si tu veux, mais il faut résoudre son problème quand même. T'es payé pour résoudre son problème. T'es payé pour ça, exactement. Voilà, faut que j'apprenne avec. Et en tout cas aussi, pour le dépanneur, il faut pas juger, c'est très bien. Oui. Mais, ah, mais il y en a qui le font, hein. Il y en a, ouais, c'est bon, merci, au revoir. Il a été bien neutre. Bien neutre, ouais. Très bien. Vous avez raison parce que ça serait un plaisir. Je suis pas sûr que ce soit moi qui vous ayez la prochaine fois. Ça, moi je peux pas faire ça. C'est dur d'être. Non, je peux pas. Des coups de latte. Ah non, moi je pourrais pas faire ça. C'est pour ça que tu fais des formations. Voilà. Ça, moi je peux taper sur des gens. Je fais souffrir des gens à longueur de journée. Ils n'ont pas voulu sur les hotlines, ils se sont dit. Oui, je me suis fait virer. Hein. Vous êtes tous nuls. Mais tu l'as déjà fait cliquer. Oui, bien sûr. La lecture, Brigitte. Ça devait être sympa de t'avoir au téléphone. J'étais plus jeune. Ça va, j'avais encore un peu de patience. Ah non, c'est fini, j'ai plus rien. Tout est mort. T'as eu un joli cas, Contran ? Vas-y. Elle a supprimé l'icône de WordPad, bah oui, c'était ça. Alors, tiens, je vais aller voir dans les derniers. Problème d'écran, ah, personne n'a pris. Alors, Chewbacca, est-ce qu'il a mon utilisateur... Oula. Quoi ? Mon utilisateur Mourge est absent. Je n'ai pas mon nom pour ouvrir ma session. Oula là 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 là. Salut Kamel. Chewie. Oui, c'est qui c'est le Y ? Ouais. Ouh, il a l'air bien celui-là. Ouais. Alors, gymnastique, c'est qui a fait ça ? Qui est le coupable ? Ah, le Y. Ah, mais t'as le gilet dans la. Le... Pff, je vais faire Jimmy, fais gaffe parce que, à mon avis, c'est lié à la météo. Il y a un lien avec la météo. Alors, bah, let's go. C'est bon, vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Parfait. Allez. Hello, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Yvan du service informatique. Je vous avais fait un ticket pour un problème de connexion sur un utilisateur. Oui. C'est vous-même, oui. Monsieur Moore, du coup ? Oui. Donc, du coup, vous n'avez pas pu vous connecter à votre session de... Non. Depuis ce matin, j'imagine. C'est cela. C'est cela. Vous êtes sur Windows 10 ou Windows 11, est-ce que vous savez ? Je ne sais pas. Ma session. Vous ne savez pas. Donc du coup, est-ce que vous avez un compte... avec un peu de chance, vous connaissez le compte administrateur avec le mot de passe ? Pas du tout. Pas du tout. Donc écoutez, je vais... Alors, pas que je ne vais pas faire votre ticket, je vais vous mettre juste en attente 2 petites minutes que je vois avec mon responsable, pour savoir si je peux... On ait le droit pour vous donner le compte d'accès administrateur qu'on puisse rentrer dans une session. D'accord ? Je vous reprends de suite, merci beaucoup.
Musique, attends. Du coup, comment je fais pour... Attends, il est peut-être pas disponible pour chercher. J'appelle mon responsable. Oui, allô. Quelle est la première action que vous devez faire? Demander si... Faire? Refaire la panne. Tu lui as fait faire refaire la panne? Non. Voilà. Et du coup... Tu sais même pas si c'est vrai ce qu'il dit. Tu sais même pas s'il y a un message d'erreur. Tu es au courant de rien du tout. Il s'est pas connecté à sa session. Et ça se trouve, il est pas allumé son ordinateur. Ça se trouve, c'est n'importe quoi d'autre. Ouais. T'as rien fait. Non, j'ai... T'as rien fait, déjà, je me casse. Je prends des infos et je reviens. Et voilà, mais t'as pas pris des infos. Il faut faire refaire la panne. Il doit te décrire ce qu'il fait. Il y a peut-être un message qui s'affiche. Il doit lire le message. Tu dois lui demander de refaire la panne. Bien. Allez, c'est bon, j'ai coupé la musique. Vas-y, rappelle-le. Oui, monsieur Morgue. Oui. Ou Mourge, je ne sais pas. Mourge. Est-ce que vous pouvez me refaire la manipulation que vous avez fait du coup ce matin? En arrivant à votre poste. Quand je clique sur mon écran, j'ai juste marqué Kiki Brigitte administrateur. Kiki Brigitte administrateur. Donc il manque vraiment votre session. C'est ça. Voilà. Donc là, maintenant, tu as des informations à me donner. Parce que moi, je vais pouvoir te dire, bah, alors, est-ce qu'il y a le compte administrateur? Donc, sur cette machine, il y a le compte administrateur, Brigitte et Kiki. J'en ai trois. Et l'utilisateur, il dit qu'il en manque un. Donc là, il n'y a pas le choix. On doit ouvrir la session sur la machine. C'est la seule solution. Oui, ça, il va rentrer dans le compte. C'est compliqué, là. Est-ce qu'il a les mots de passe des comptes? Il faut lui demander. Du coup, sur le compte administrateur, est-ce que vous avez le mot de passe par hasard? Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous avez accès à ce compte? Moi, je le connais, mais je n'ai pas le droit de vous le donner. Et est-ce que du coup, vous pouvez le taper du coup, pour rentrer dedans, si sans me le donner? Si vous voulez. C'est gentil. Est-ce que cela fonctionne pour vous? Ça y est, c'est ouvert. Donc du coup, est-ce que, alors, je reviens sur Windows 10 ou Windows 11, vous avez un petit logo Windows de quelle couleur en bas, s'il vous plaît? Blanc. Blanc, très bien. Est-ce que vous voyez la barre taper ici pour effectuer une recherche? Oui. Est-ce que vous pouvez taper gestion de l'ordinateur, s'il vous plaît, blanc? À tes souhaits. Pardon, merci. Non, je le fais pas. Est-ce que ça s'est affiché du coup? Est-ce que vous avez quelque chose qui s'est... J'ai marqué gestion de l'ordinateur. Et il y a quelque chose qui s'est affiché en haut? Gestion de l'ordinateur. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît? Avec le clic gauche. Ah, j'ai une fenêtre internet qui s'ouvre. Alors, est-ce que vous pouvez fermer la fenêtre internet s'il vous plaît? Oui. Revenir sur taper ici. Oui. Taper gestion 2. Oui. Je prends le temps que vous, excusez-moi. Et en haut, du coup, il y a application gestion d'ordinateur qui s'ouvre. Oui. Là, vous pouvez cliquer dessus sur celui-là, s'il vous plaît. Donc là, vous avez une fenêtre blanche qui s'est affichée. Est-ce que vous voyez le dossier utilisateur et groupe? Oui. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la petite flèche sur le côté, juste avant utilisateur et groupe? Oui. Est-ce que vous pouvez cliquer sur utilisateur? Faire un double clic dessus. Ça marche pas. Le double clic ne marche pas sur l'utilisateur? J'ai que utilisateur et après j'ai une fenêtre à droite qui s'est ouverte. Oui, avec administrateur, donc Kiki et Brigitte. C'est ça. C'est ça. Donc il manque votre compte, monsieur Morgue. Là, je le vois à l'écran. Je vois l'écran. Est-ce que vous pouvez faire un clic droit sur utilisateur, s'il vous plaît? Oui. Il y a un nouvel utilisateur qui est apparu. Oui. Vous cliquez dessus. Oui. Donc là, vous rentrez un nom d'utilisateur, donc le votre nom de session. Je tape mon jeu. Oui, s'il vous plaît. Oui. Vous avez mot de passe en dessous. Oui. Vous rentrez votre mot de passe. Oui. Vous le confirmez en dessous. Oui.
encore en dessous, vous avez une petite case qui est cochée. L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture. Est-ce que vous pouvez la décocher, s'il vous plaît? Oui. Et est-ce que vous pouvez cliquer sur créer? Juste en bas. L'erreur suivante s'est produite lors de la tentative de création de l'utilisateur Move sur l'ordinateur. Le compte existe déjà. Donc du coup, il est déjà créé. Alors, excusez-moi, je regarde juste. Donc du coup, est-ce que vous pouvez revenir donc là où il y a écrit administrateur, Brigitte Kiki? Donc du coup, Mourg est déjà affiché. Mourg est déjà affiché donc. Je fais quoi là? J'ai deux fenêtres ouvertes, je fais quoi? Alors vous enfermez une celle qui a le message erreur, vous venez de me lire, vous pouvez la fermer. Ouais. Voilà. Du coup vous êtes revenu sur la page où il y a administrateur Brigitte Kiki? Ou il y a encore une fenêtre? Il y a encore une fenêtre. Vous la fermez également. Là vous êtes de nouveau sur administrateur Brigitte Kiki? C'est ça. Merci. Du coup, il y a bien écrit Monsieur Mourge. Oui. Alors du coup, est-ce que vous pouvez cliquer dessus, ce Monsieur Mourge, deux fois? Oui. Alors, est-ce qu'il y a écrit le compte? Vous voyez les petites icônes, il y a l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Oui. Donc, voilà. Il y a le compte est désactivé, elle doit être cochée normalement. C'est ça. Vous pouvez la décocher, s'il vous plaît? Oui. Voilà, vous faites OK. Bon. C'est bon, il n'y a pas de message erreur ce coup-ci? Non. Alors, vous pouvez refermer la gestion de l'ordinateur. Oui. Vous allez fermer la session, je vais rester avec vous, vous allez la rouvrir en vous connectant avec le Mourge, s'il vous plaît. Je fais comment? Alors, vous cliquez sur démarrer. Oui. Vous avez le petit icône administrateur en haut qui est écrit? Non. En haut au-dessus de document? Non. Vous faites un clic droit sur démarrer, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez arrêter ou se déconnecter? Non. Décidément, vous ne voyez pas grand-chose. faites juste clic gauche sur le bouton Windows. Oui. Vous avez un bouton marche-arrêt juste au-dessus? Non. Voilà, quand même, ça te plaît. Vous allez faire CTRL-ALT-SUP. Donc, fais CTRL-ALT-FIN. Hein. Oui, CTRL-ALT-FIN, s'il vous plaît. C'est bon pour vous? Oui. Vous avez se déconnecté? Oui. Vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Déconnexion. Voilà. Et là, vous allez re-rentrer du coup avec Monsieur Mourge et votre mot de passe, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon, vous avez reçu à ouvrir votre session? Oui. Bon, mais écoutez, c'est tout ce que vous avez comme problème. Exactement. Bon, mais parfait. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Merci. Au revoir. Bonjour, au revoir. Le résumé à la fin, toujours pas. C'est quoi le problème? Allez, hop, ça dégage. Vite, je vais vite raccrocher. Mais dans le ticket, quand on le confirme, il ne reçoit pas la. C'est pas grave. Non. Moi, je veux qu'il fasse à l'oral. Okay, avec lui. Donc, votre problème, c'était. Vous n'arriviez pas à vous connecter à votre compte utilisateur parce qu'il était désactivé. On a réactivé le compte et maintenant vous pouvez vous connecter. C'était ça le problème. Voilà. Faire ça. Après, remarque importante, il faut écouter quand les utilisateurs parlent. Parce qu'il me semble qu'il a dit je le vois, c'est ça? Oui. C'est ça. Mais c'est après quand tu as voulu recréer le compte avant, il t'a dit oui, je le vois là. Allez, mais c'est quand il m'a dit ça marche pas, j'ai vu. La phrase est revenue. Et il a cité là, c'était ça, il était désactivé. Non, il n'y a pas eu de question. Depuis quand vous avez ce problème? Est-ce que quelqu'un est intervenu sur la machine? Je fais confiance à... Ah oui, bien sûr, on fait confiance, t'as raison le gars, on va lui faire confiance, évidemment. Ouais. Bon, c'était très bien ça. Très jolie petite panne. Allez, qu'est-ce qu'on... Alors, problème d'ouverture de fichier texte. Bonjour, à chaque fois que je clique sur mon fichier texte sur le bureau, ouvre cette fenêtre. Oh là 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 là. Ça c'est embêtant ça. Faites Boba. Le Boba Fett. C'est le 2. C'est lui le 2, c'est le haut. C'est Olivier Boba Fett. Et donc c'est qui? Encore Judanana? C'est moi.
C'est toi. Et c'est toi qui as fait les deux ? Et non, c'est moi, Olivier, qui a fait l'erreur et c'est lui qui a pris, en fait. Oui, donc jus d'ananas, c'est qui ? Bah, c'est Olivier. C'est moi. C'est toi. J'ai entendu deux fois, t'as dit c'est moi, Olivier. Oui, mais c'est moi, c'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris. Voilà, c'est les deux qui font la paire. Moi, je vais assister, je vais pas dire grand chose. Oh, voilà, là, je vais juste laisser faire. Je vais les laisser faire. C'est moi, je vous dis. Bon, bah, très bien. Donc, alors, donc le dépanneur, c'est Olivier. Oui. Et le dépanné, c'est Olivier. C'est Olivier. Exactement. Ok, on est bien. Inception, c'est parti. Que va-t-il se passer ? Rien de bon, à mon avis. Rien de bon va sortir de ce truc. Alors, le téléphone sonne. Allô ? Oui, bonjour, Olivier du support technique. Bonjour. Vous avez un problème pour ouvrir vos fichiers texte aujourd'hui ? Oui, exactement, oui. Aujourd'hui seulement ? Depuis hier, okay. J'ai quelqu'un qui est passé sur mon PC, j'ai des trucs qui sont apparus, enfin voilà, et là quand je clique sur mon fichier, j'arrive plus à le... Enfin je peux le lire si je vais le chercher, mais j'ai toujours cette fenêtre qui se met devant, mm-hmm. Et c'est agaçant, parce que moi j'avais pas ça ouvrait directement le programme, et là... Ça devait sur tous les fichiers texte, Alors non, que sur celui-là. D'accord. Alors, je vais vous faire une petite manipulation. Est-ce que vous pouvez ouvrir une fenêtre d'explorateur de fichiers ? Alors oui, c'est-à-dire c'est probablement dans la barre du bas, dans votre barre des tâches, vous avez un dossier jaune avec un peu de bleu. Alors, un dossier jaune. Quand vous passez la souris dessus, ouais. Ça vous dit explorateur de fichiers. Alors, ah d'accord, ok. Et donc je fais quoi ? Cliquez dessus. Ok. Ok, ça va ouvrir. Une fenêtre. Dans la colonne de gauche, vous devez avoir bureau. Oui. Cliquez dessus. Là, vous voyez votre fichier ? Oui. Alors. Dans cette fenêtre, dans le haut de la fenêtre, dans la barre des menus, vous avez nouveau et plus loin trié et affiché. Dans la barre des menus, oui, nouveau, affiché. Bon, excusez-moi, j'ai oublié de poser une question. Est-ce que votre barre des tâches, est-ce qu'elle est grise ou est-ce qu'elle est noire ? Elle est noire, en bas ? Elle est noire. Alors oui, dans le menu, vous êtes dans le menu affichage, dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers. Alors, là j'étais dans l'explorateur de fichiers, on m'avait dit. Oui, dans la barre de menu, en après, haut, j'ai cliqué vous sur avez fichiers, accueil, partage et affichage. D'accord, ok, après, ok, d'accord. Affichage. Un peu à droite, dans le ruban, vous avez case à cocher des éléments, extension de mon fichier et éléments masqués. Non, moi j'ai cliqué sur affichage, j'ai volet de navigation, j'ai plein de trucs d'icônes, affichage. Alors plus à droite. À droite. À droite de quoi ? Vers la droite, vous avez ensuite très grandes icônes, icônes moyennes, oui. Un peu plus loin affichage actuel. D'accord. Et un peu plus loin affiché masqué. Affiché masqué, ok. Et après une option. Alors, est-ce qu'il y a des cases à cocher ? Est-ce que la case devant extension de nom de fichier est cochée ? Alors, excusez-moi, je clique sur quoi ? Sur affiché masqué ? Ou sur option ou... Non, dites-moi simplement si vous voyez. Case à cocher des éléments, extension de fichier, éléments masqués. Ouais, je vois marqué fichier masqué. Je suis sur l'icône. En fait, on m'avait dit, je suis à affichage, et après, on m'avait dit sur la droite, affiché actuel, masqué, option.
Vous m'avez dit d'aller surmasquer. Non. Je vous ai simplement allé dans le menu affichage, vous y êtes a priori. Oui. En partant de la gauche, vous avez le volet de navigation. Oui. Un peu plus loin, vous avez la disposition avec très grandes icônes, icônes moyenne ouais, liste. Ouais, un peu plus loin, affichage actuel, oui. Tri et part. Et ensuite, on va avoir trois lignes avec des cases à cocher. Enfin, j'aime pas trier par, mais bon, après j'ai affichage actuel, ça c'est j'ai comme vous. D'accord. Et ensuite, il y a une rubrique affiché masqué, ouais. Dans lequel il y a trois phrases avec des cases à cocher devant. Non. Il y a juste à marquer affiché masqué. Il n'y a pas marqué extension de nom de fichier. Non. D'accord. Est-ce que sur le bureau, vous avez d'autres fichiers? Non, j'ai que celui-là. Après, j'ai la corbeille, j'ai mon explorer. Enfin, j'ai... Est-ce que vous savez aller dans l'explorer pour afficher vos documents? Je passe quoi? Alors, cliquez sur, dans la colonne de gauche, cliquez sur Documents. Ah, toujours dans l'explorateur. D'accord. Ok. J'ai rien dedans. Un document. D'accord, c'est votre seul document. Oui. Ah oui, le gars qui est passé hier, il m'a tout remis. Okay. J'ai refait mon dossier. Et je l'ai mis sur le bureau parce que je sais pas où me mettre ailleurs. Alors, revenez dans la colonne de gauche, cliquez sur Bureau. Sur le bureau. Cliquez et sélectionnez votre document. Ouais. Cliquez simplement dessus sans double-cliquer. D'accord. Sur votre clavier, ouais. Dans le haut du clavier, sur la gauche, vous avez des touches F1, F2, F3. Ouais. Vous appuyez sur la touche F2. Ok. C'est. Ça fait un truc bleu là. Enfin, sur mon marqué texte important et c'est souligné en bleu. Voilà. Maintenant, vous allez utiliser. Entre vous situez le pavé numérique sur le clavier Oui, il y a oui. Marqué 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a tous les chiffres. Juste à gauche, vous avez des flèches. Ouais, pour jouer ça. Appuyez sur la flèche de droite. J'ai appuyé qu'une fois. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à ce que votre curseur se retrouve à la fin du nom du fichier. T'as pas le droit de regarder son écran. Ouais, espèce de petit tricheur. Voilà. Ah, et t'as pas le droit de regarder son clavier non plus. Tu peux pas voir où il appuie sur les doigts. Ouais, donc là, je suis au max, en fait, j'ai appuyé plusieurs fois. Et d'accord, très bien. Maintenant, il faut que vous tapiez .txt, s'il vous plaît. Alors, je dois taper .txt. Oui. Ça me fait un point virgule. Ah oui, il faut maintenir la touche majuscule en français pour avoir le point. C'est utile pour écrire le texte. Ok, d'accord. Point txt. Txt. Ok. Et après ? Entrée. Est-ce que maintenant on peut lancer le fichier normalement ? Ah super, ça marche. Ça fonctionne. Ah, bon, c'est super. Merci. Donc vous aviez. C'était quoi le problème alors? Vous aviez. Alors, quelqu'un a dû renommer le fichier. C'était sûr. Alors, je. Il y a un problème, c'est que ça risque de se reproduire. Ouais. Parce que je n'ai pas pu vous faire configurer l'explorateur pour que ça ne se reproduise plus. Donc, je vais me renseigner. Et puis je vous enverrai un mail okay. Pour dire s'il y a un truc à si faire, éventuellement on prend rendez-vous ou peut-être si la solution est simple, je vous expliquerai simplement dans le mail ce qu'il faut faire. En tout cas, là, si je vais aller dessus, ça marche. Très bien. Je vous remercie. Merci. Au revoir, Olivier. Merci. Au revoir. Alors, pourquoi tu n'as pas le même affichage que lui? Alors là, je sais pas, donc je suis sur Windows. Je me suis mis sur la VM Windows 10. Tu t'es mis sur le bon, tu l'as demandé, tu t'es mis sur le truc. Pourquoi il avait pas le même affichage? Parce que la fenêtre était petite. Oui. Il avait pas le même. C'est quelque chose que tu fais par réflexe, toi. Tu t'es mis en plein écran. Et pas Brigitte. Non, oui, c'est vrai, je suis en plein écran. C'est que tu réduis l'affichage, le affiché masqué, c'est un sous-menu en fait. Il faut cliquer dessus pour voir les trois lignes du dessous. Ou alors, il fallait dire à Brigitte de se mettre en plein écran. Ça, c'est très difficile à distance. Ou justement, tu dis, mais attends, il devrait avoir la même chose que moi. Pensez à ça. Ah,
pensez que quand vous êtes en affichage réduit, ça groupe les icônes par groupe d'icônes, ou les rubans qui disparaissent. Elle n'a pas forcément tout à fait le même affichage. Ça, c'est à faire régulièrement. En plus, ça m'a déstabilisé, parce que moi, je voulais lui faire cocher d'abord extension de mon fichier. Par contre, t'as conscience que de cocher cette case ou pas, ça n'aurait absolument rien changé. Bah si, parce que pour le coup, j'aurais pu apporter une vraie solution. C'est-à-dire non. J'aurais pu vérifier que la case soit bien décochée, pour qu'il ne risque pas de par modifier... Contre, est-ce que ça aurait résolu son problème? Non, mais c'était un c'est bien ce que je dis. C'était juste un ça n'aurait pas résolu son problème. C'était juste, oui. Encore une fois, il faut se concentrer sur la solution du problème. Réparer la cause, que ça se répète plus. Après, c'est très bien. Oui, c'est un plus. Mais d'abord, il faut résoudre le problème. Le problème, j'ouvre mon fichier, ça s'ouvre pas. J'ai pensé qu'il fallait d'abord que je vérifie ça, et que je lui fasse cliquer sur extension pour pouvoir la modifier. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin. C'est F2, tu as fait ce qu'il fallait. Ouais. Après, la problématique, c'est si, au contraire, les extensions ont été masquées et qu'on veut changer l'extension. Là, on est obligé d'afficher les extensions dans ce cas-là. Voilà, oui. Mais là, c'était pas le cas. Le fichier n'avait plus d'extension. Et du coup, plus associé. Celui qui a créé le problème n'a pas pu le faire sans afficher les extensions. Exactement. Ça veut dire que là, elles sont affichées, ces extensions. La preuve, quand il lui a fait rajouter .txt, c'est resté le .txt. On voyait le .txt. Ce qui est compliqué, c'est que comme il n'y a pas d'autres dossiers, on ne voyait pas... Tout à fait. Mais tu peux demander de faire un nouveau document texte, par exemple, pour vérifier est-ce qu'on voit .txt ou pas. Vous voyez l'extension ou pas. On peut faire des petites manipulations quand même à Brigitte. Mais c'est bien, ça s'affine. Ça s'affine les choses. Commencez à demander déjà les versions de Windows, c'est bien. C'est un bon début. C'est un bon début. Parfait. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il n'y a plus qu'à remplir le ticket maintenant. Il n'y a plus qu'à remplir le ticket. Résolu. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le profil client était désactivé dans la gestion de l'ordinateur. L'user a activé le compte. Attente du redémarrage avec user test. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui va pas dans ce ticket? Oui, chère communauté, quand je lis ce ticket, vous avez assisté au dépannage, chère communauté. Ouais. Vous savez ce qui s'est passé et quel était le problème? C'est pas le profil client, c'est le compte. Bonne réponse. C'est pas le profil client. Alors, je sais pas ce que c'est un profil client en informatique, mais c'est le compte utilisateur qui était désactivé. Compte utilisateur était désactivé, typiquement dans gestion de l'ordinateur. Ça sert à rien. Où je sais parfaitement où est la SAM. Je sais que c'est dans gestion de l'ordinateur. T'as pas besoin de me le dire. Enfin, je veux dire, voilà, le compte utilisateur était désactivé. Alors, l'user a activé le compte. Alors, le français, des fois, c'est un problème dans l'informatique. Il y a des choses, ça pique un peu les yeux. Mais en informatique, très souvent, on est tous plus ou moins nuls. Bon, ça va. Il y en a quelques-uns qui sont bons, par contre. Et alors eux, ça leur fait saigner les yeux quand ils voient ça. Donc l'utilisateur a activé le compte. Alors après, attente du redémarrage avec l'utilisateur. Enfin, pas redémarrer, t'as juste fait déconnecter et reconnecter. Oui, d'ailleurs, tiens, je voulais rebondir sur, t'as trouvé des solutions différentes pour se déconnecter. Il y avait le bouton, il cliquait mal, l'utilisateur est d'une mauvaise foi sans nom. Parce que tu cliques sur arrêter, ça s'affiche, il dit non, tu vois rien. Bon. Ça s'affiche pas. Non mais t'as pas cliqué quand il a cliqué sur le bouton. C'est que quand il m'a dit mettez-vous sur Windows. Oui. Et vous avez arrêté redémarrer, non? Ah oui, faut cliquer. Ouais. Mais t'as finalement fait Ctrl+Alt+F, c'est bon. Donc bon là ce ticket ce serait bien de corriger, de mettre le vrai truc. Le compte était désactivé, donc réactivé avec l'utilisateur. Tu vois des trucs comme test OK, c'est pareil, c'est pas utile. Parce que pour moi, c'est obligatoire que tu l'aies fait. T'as pas fait un dépannage sans avoir testé. C'est sûr. Ça sert à rien. Ok.
Eh bien, très bien. Allez, t'es ouf. Ah bah non, moi je clôture pas ça. Hein. Ça, c'est pas clôturé. Hein. Outil disparu, qu'est-ce qu'on a? Le client avait réduit le ruban de son WordPad. Je lui dirai comment développer le ruban. Ok, mais... ouah. Ah oui, mais celui-là, c'est celui qui est pas fini. Mais c'est ce que t'as fait. Oui. Donc, et c'est là, c'est très bien écrit. Parce qu'il n'y a pas écrit, je lui ai fait réépingler le problème. Donc, s'il y a à nouveau l'appel de l'utilisateur, il y a un nouveau ticket, je vais regarder. Ok, tu as réduit le ruban et t'as pas réépinglé le WordPad alors. Voilà, je le vois tout de suite. Je vois, même moi, si je suis le chef et que je vois un peu, j'ai l'habitude de ces trucs-là, je vais lire ça, je vais faire « Oh là 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 là, dis-moi, monsieur Rennes, tu lui as fait réépingler parce qu'à mon avis, là, il n'est pas épinglé le programme. » Donc, on peut être proactif quand on relit les tickets et anticiper le fait que le problème va se renouveler parce qu'il a mal été réparé. Du coup, est-ce qu'on attend qu'elle refasse un ticket? Ça dépend. Après, ça dépend. Alors là, ça dépend des boîtes. Il y en a qui sont là. Non, mais il faut absolument anticiper, rappeler en disant « Ah, on a peut-être une petite correction à vous apporter, une petite précision. » Ou il y en a qui disent « Ah, de toute façon, elle refera un ticket. De toute façon, ils sont payants les tickets. » Ils ont droit à 20 tickets par utilisateur, ça en fait d'autres cramés là. C'est bon. Voilà, ça, on va dire ça dépend de la mentalité de la boîte. Donc, est-ce que je close ce ticket? Le problème est-il résolu? Bah non, évidemment pas. Ah ouais, tu penses, non? Ah ben non, parce qu'elle va rappeler. Ouais, mais là, sur le ticket, elle dit juste qu'elle a poussé le bouton dans la barre du haut. À aucun moment, elle évoque la barre de tâche. Le problème qu'elle a c'est vrai. Réglé, hein. Allez, allez, je te l'accorde. Heureusement que t'as un bon avocat. Hein. T'as bien défendu. Hein. Allez, c'était juste ça. Bon, c'est juste ça. Après, si j'apprends que Brigitte t'a dit « Oui, mais en fait, j'ai perdu mon raccourci et que tu n'as pas mis à jour le ticket en disant « Il y avait un deuxième problème qu'on a résolu », tu vas en prendre plein la gueule. Hein. » Oui, mais les utilisateurs, ils mentent aussi. Toujours. Et justement, les utilisateurs sont souvent incohérents dans ce qu'ils écrivent parce qu'ils sont ignorants. C'était typiquement, voilà, j'ai Internet qui ne fonctionne pas alors que c'était juste le raccourci de son navigateur. C'est pour ça qu'il faut redétailler dans le ticket. Bon allez, on va manger. Pas tout ça, mais bon, moi j'ai faim. Hein. Enfin, j'en peux plus. Hein. Dépannage. Allez, à toutes, bon app.